son groupe font toujours vibrer la foule. Impossible de ne pas se laisser entraîner par son beau feignard. C'est un rythme dans l'ethnie de mes parents. C'était un rythme qui guérissait le malade. Alors moi, j'ai pris ce rythme-là, ce nom Bofeignarok, parce que ce sont les gens qui nomment le rythme. Et pourquoi pas moi, donner mon style à moi. Bofeignarok, parce que ça sonnait bien. Et puis c'était un rythme qui déstressait les gens, pour libérer, libérer la tête des gens. Et rock, parce que ma voix est rock. Le groupe congolais balance entre musique traditionnelle et son rock, funk, punk. C'est électrique et puissant. C'est en rentrant de Berlin, où il a passé son adolescence, que Jupiter se connecte à la musique, en jouant des percussions et en chantant dans des veillées funéraires. Lorsque je suis rentré à Kinshasa vers les années 80, cette musique m'a happé et je suis devenu grand animateur dans le deuil. Et ça, c'était mon expérience. À travers le Congo à Kinshasa, j'ai découvert la musique traditionnelle dans le deuil. La musique du Congo est plurielle, n'est pas que la rumba. Il y a d'autres rythmes plus fantastiques et plus violents, qui foudroyants. Et la rumba, qu'il faut vraiment le montrer à la face du monde. Et je crois que c'était ça la mission, ma mission avec mon équipe, de faire voir à la face du monde, il n'y a pas que la rumba, il y a une autre diversité culturelle immense, riche, inexploitée, inépuisable qui se trouve au Congo. Mission accomplie, le deuxième album de Jupiter et Okwe, Skin Sonic, diffuse à merveille toute cette richesse. Maintenant, celui que l'on surnomme le général rebelle à Kinshasa s'attelle à préparer la relève. Voilà, c'est la fin de votre journée.